Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous souhaiter une excellente rentrée à tous ceux qui travaillent en éducation, mais évidemment et particulièrement à tous les professionnels et professionnelles des centres de services scolaires. Bien entendu, nous sommes à l'aube d'une année qui ne ressemblera à aucune autre en raison de la pandémie et de ses nombreux défis. Comme professionnels, nous souhaitions revenir dans nos milieux, même s'il y a beaucoup d'inconnus, d'inquiétudes et d'adaptations qui devront être faites. Avec les élèves qui retournent eux aussi sur les bancs d'école, en ville et en région, nous avons la préoccupation que tout se déroule en sécurité de façon organisée. Cela impliquera nécessairement des mesures de protection adéquates et des règles claires. Tout ça est essentiel et non négociable. Comme membres du personnel professionnel, en début d'année, nous désirons avoir du temps pour l'accueil des élèves et du personnel afin d'être disponibles pour leur offrir une présence bienveillante. Tous auront vécu à leur façon les derniers événements et auront besoin d'occasions pour être écoutés, sécurisés et rassurés avant que la normalité ne puisse revenir. Dans le même ordre d'esprit, nous aurons une attention particulière pour les élèves vulnérables qui, eux, ont manqué l'école parfois 6 mois et, assurément, ils auront besoin d'une attention de tous les instants. À la Fédération, nous faisons de notre mieux pour vous soutenir et pour vous informer en ces temps de COVID. Soyez assurés que notre équipe est entièrement mobilisée et disponible. Évidemment, pour toute question concernant vos conditions de travail et votre bien-être au travail, je vous invite à communiquer avec votre syndicat local. L'année en cours comportera son lot de défis syndicaux, mais ça aussi, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Ce qui est sûr, c'est qu'une grosse année est en vue. Je veux vous dire merci encore une fois pour votre engagement et votre résilience. Malgré les contraintes, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année.